Ouais, mais mine de rien, quand t'es musulman en France, tu peux compter sur des représentants des musulmans qui passent à la télé pour donner une bonne image. Là, t'as un mec formidable qui s'appelle l'imam Chalgoumi. Alors, je sais pas où il joue son spectacle à Paris ces temps-ci. Je crois que c'est tous les vendredis à la mosquée de Drancy, mais j'adore ses sketchs. Je vais le prendre en première partie. Alors, lui, on va écouter une de ses interviews. Il parle de la crise d'identité chez certains jeunes issus de l'immigration. On l'écoute. Tourne ici à Paris, en France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe, problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poisson? Quelle catégorie de poisson? Ben, je crois que c'est la catégorie des marocains, avec un aileron. Mais qu'est-ce que tu racontes, croustibat? C'est ça qui représente les musulmans en France ces temps-ci? Ouais, d'accord qu'on soude notre gueule, mais attention, là, il a refait une sortie, il est magnifique, le mec. Hein. Faut l'empêcher de parler, c'est le Guy Georges de la langue française. Hein. Hier, j'étais au commissariat pour poser des plaintes. Ouais. Pour baiser des plaintes? Carrément, mais tu pars en couille, toi. Commissariat, bonjour, monsieur l'agent, il y a moyen de...